Good morning, allez Iden, nous étudions aujourd'hui Maseret Megillah, Perikbet, Mishnah Dalet. Akol Kshirin Likrot de Megillah, Chutz Mecheresh, Shote Vekatan. Rabbi Yehuda Machshir Bekatan. En Kolot de Megillah, le Velo Malin, Velo Tovlin, Velo Mazin, Vechen Shemaret Yom Kineged Yom, Lotit Bol, Ad Shetane Sachama, Vekulan Shasu Mishéala Muda Shachar, Kasher. Deux sujets dans notre Mishnah. Tout d'abord, Akol Kshirin Likrot de Megillah, tous sont kasher pour lire la Megillah. C'est-à-dire, on peut écouter la Megillah de n'importe qui. Soit, ça vient inclure en réalité les femmes. Une femme peut acquitter un homme. Comme ça, c'est rapporté dans la halakha même. Même si, là, il ne faut pas qu'elle la quitte, pour plusieurs raisons. C'est rapporté dans le Sakhatsuka, que Roser Tzniou, à part ça aussi, c'est un peu une manière un peu anormale, quoi, que celui qui est censé connaître, il ne fait pas, et c'est une honte. D'accord? Mais en tout cas, concrètement, si on est bloqué avec une femme qui sait lire, elle peut acquitter un homme. A kol kshirin likrot et Megillah, donc tous sont cachers pour lire la Megillah. Chutz me cheresh shote vekatan. Sauf un cheresh, un sourd, un shote, un fou, quelqu'un qui a perdu la tête, ou un katan, ou un enfant. Chacun, c'est un chidouche particulier. Et d'abord, je continue avec un petit mot, c'est Rabbi Yehuda marchir bekatan. Rabbi Yehuda valide la lecture d'un katan pour dispenser un grand. On fait un petit peu d'ordre. Alors, Chutz Mecheresh, d'abord, quelqu'un qui est sourd. On parle bien sûr de quelqu'un qui est sourd, mais qui sait parler. C'est-à-dire, avant, il écoutait. Pendant qu'il écoutait. À l'époque où il écoutait. Il entendait. Il a appris à parler. Après, ses oreilles se sont bouchées. Il n'entend plus. Eh bien, la Mishnah nous enseigne qu'il ne peut plus dispenser une autre personne par sa lecture. Cette Mishnah, elle va selon d'après Rabbi aussi. Que Rabbi aussi pense que dans toutes les mitzvot où il faut lire quelque chose, eh bien, il faut que celui qui lit entende lui-même. Il s'avère de ce fait que celui qui va lire et qui ne s'entend pas pendant qu'il est en train de lire, donc en fait on parle d'un sourd que même lorsque lui parle, il ne s'entend pas. D'accord? C'est pas qu'il a les oreilles bouchées, c'est qu'il a perdu l'audition tout simplement, quoi. Il ne s'entend même plus lorsqu'il parle. Alors dans ce cas-là, puisqu'il ne peut plus lui-même s'entendre, il est dispensé de la mitzvah, puisqu'il ne peut plus la réaliser. Puisqu'il est dispensé de la mitzvah, il ne peut plus acquitter quelqu'un d'autre. D'accord? Pour la halakha, je ne sais pas qu'est-ce qu'on retient. Je n'ai pas fait attention à la question. Est-ce qu'on tient la halakha comme Rabbi Yossi ou pas? Je ne sais pas. Et deuxième sujet maintenant, le deuxième, c'est le shoté, celui qui a perdu la raison. La Gemara dans Chagiga, elle explique plusieurs niveaux, c'est quoi un shoté. Quelqu'un, essentiellement, quelqu'un que dès qu'on lui donne quelque chose à regarder, il le perd, il a perdu la raison, c'est déjà un niveau de quelqu'un qui est plus imposable de mitzvot, parce qu'il est... D'accord? Et Katan, c'est un enfant qui sait lire, qui est déjà arrivé à l'âge du chinour. Selon Tanakama, il ne s'acquitte pas, il ne peut pas dispenser un adulte de sa mitzvah par sa lecture. Et Rabbi Yehuda valide. C'est quoi leur discussion? En fait, c'est simple. Lire, un enfant, il a le devoir de lire Midrabanan. C'est-à-dire, il est imposé de faire les mitzvot Midrabanan, même pour la Megillah. Donc il doit lire la Megillah Midrabanan. À part ça, toute personne a le devoir d'écouter la Megillah par une mitzvah Midrabanan. C'est écrit dans la Torah, puisque la Megillah, c'était... C'est passé beaucoup plus tard, ça s'est passé à l'époque de Galout Bavel, plutôt Galout Paras ou Madaï. Et de ce fait, alors on a une règle. Si je suis imposé d'une mitzvah de la Torah, quelqu'un qui n'est pas imposé par cette mitzvah de la Torah, mais que Midrabanan ne peut pas me dispenser de cette mitzvah, c'est vrai. Un Derabanan n'acquitte pas un Deraita. Mais quelqu'un qui est imposé d'une mitzvah, par exemple une femme qui n'est pas imposée par une mitzvah de chauffard, elle ne pourra pas sonner du chauffard pour acquitter un homme, parce qu'elle n'est pas imposée. Même si Chachamim a instauré, par exemple, qu'une femme est obligée, même si ce n'est pas le cas, elle ne pourra pas, parce que ces mitzvahs de Rabbanan n'atteint pas le niveau de Horaïta pour s'acquitter. On trouve encore dans les Lichot Birkat Amazon des situations un peu dites comme ça, qu'une femme ne peut pas dispenser un homme du Birkat Amazon, c'est marqué dans la Gemara, c'est un safek dans la Gemara, parce que peut-être que la femme n'est pas imposée du Birkat Amazon Miatora, puisqu'elle n'est pas imposée de Brit Vetora. Elle ne peut pas dire Brit Vetora. Elle n'est pas, ça peut le dire si elle veut, mais en tout cas, elle n'est pas concernée pour le Brit Vetora, c'est possible que ce soit invalide. Quelqu'un qui n'est pas imposé par une mitzvah midoraita ne peut pas acquitter quelqu'un qui est imposé par la Torah. Mais là, on est avec deux derabanan, puisque la Megillah, elle est foncièrement midrabanan, et le katan, il a un devoir de lire derabanan. Sur ça, Rabbi Yehuda va nous dire, mais tu sais quoi, alors, un derabanan dispense un derabanan. Les chachamim, ils vont dire, non, très derabanan, deux derabanan ne dispensent pas un derabanan. Là, elle est sur la Megillah, c'est derabanan. Il y a un enfant qui lit, il est imposé midrabanan. Donc, le devoir de lire la Megillah d'un enfant, c'est un derabanan de derabanan. Ça fait deux derabanan, ne dispense à un derabanan, d'accord?
C'est un avis qui est rapporté, c'est comme ça que le Bartonnais l'explique. Non, plutôt le Tosfot Yom Tov qui rapporte au nom de Tosfot. Tosfot Yom Tov qui rapporte au nom de Tosfot dans Megillah. Il y a un autre avis qui explique qu'en réalité, l'enfant, il n'a pas imposé lui-même, c'est son père qui a le devoir de l'éduquer, mais lui, l'enfant, il n'est pas obligé de le faire. Et donc, du coup, il n'est même plus imposé par la mise à du coup. Ensuite, deuxième sujet maintenant. En Corinne et Megillah. En fait, en deux mots, la phrase est un peu longue, ça se finit avec la phrase. Que. En Corinne et Megillah, Velomolène et Velomazine. Vechen, Adjetan Netzachama. Elle est à la fin de la phrase, juste de, que à partir du Netzachama. En réalité, on va maintenant énumérer toutes sortes de mitzvot qu'il faut accomplir de jour. Et dans ce cas-là, le jour, vous savez comment ça se passe le jour. Le jour, c'est pas au lever du soleil, c'est depuis le lever du jour. Le lever du jour, c'est 72 minutes à l'Otachachar, 72 minutes avant le lever du soleil. Il commence déjà la première percée de lueur à, tout au fond de l'Est. Elle est difficilement perceptible, je crois que je ne sais pas concrètement si on... Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Il fait encore très noir, au contraire même. À l'époque, juste avant le lever du jour, il fait particulièrement noir. Et puis après, d'un coup, il y a la première percée, tout au fond, à l'horizon, à l'est. On peut discerner apparemment une petite lueur tout au fond. Ça veut dire que c'est le début du lever du jour. Et puis après, ça va en devenant de plus en plus clair, jusqu'à qu'arrive maintenant le Netzachama. Alors, la Mishnah, en fait, elle va me dire, tu sais, elle va énumérer toutes sortes de mitzvot, elle va me dire, toutes ces mitzvot qu'il faut faire deux jours, je te demande que tu les accomplisses depuis le moment où le soleil se lève. Ne te contente pas du lever du jour depuis Alot HaShachar, attends le Netzachama, parce que si tu es, c'est un Geder des Rabbanan, en fait. Ramim m'ont instauré de faire ça, ne pas le faire depuis le début du jour, mais depuis le début du lever du soleil, comme ça c'est sûr qu'il fait jour. Parce que si tu vas commencer à dire, ah, il fait assez jour, il fait pas assez jour, alors, toi, tu vas dire, bon, moi, j'attends qu'il fasse très clair, et l'autre, il va dire, non, mais même s'il fait un petit peu moins clair, et puis on va se retrouver avec des gens qui vont commencer à faire dans le mitzvah la nuit. Donc, en fait, alors qu'il fait encore nuit, d'accord? Imaginez, on a évoqué le cas des soldats, c'est le cas le plus fréquent, les pauvres. Des fois, ils doivent tenir la garde, et ils veulent savoir depuis quel moment ils peuvent commencer à lire. Tu vas commencer un petit peu à trop jouer sur les limites, tu vas trouver avec quelqu'un qui va se mettre à lire de nuit. Et s'il est de nuit, ça ne quitte pas avec la mitzvah, parce que la mitzvah, elle est imposée de jour. Donc, du coup, on va énumérer toutes sortes de mitzvot qu'il faut accomplir deux jours. En l'occurrence, tout d'abord la lecture de la Megillah, il faut la lire une fois la nuit, une fois le jour. Celle du jour, t'attends qu'il fasse le Netzachama a priori. Velo malin brit mila, il faut la faire deux jours, le jour aussi. Ou ba yom hashmini, mol besar olato. La Torah l'a dit deux jours, et pas la nuit. Celui qui fait le brit mila la nuit, il ne s'acquitte pas de la mila. Le lendemain, dans la journée, il doit être matif d'ambrit, il doit refaire couler une goutte de sang pour que ça ait une valeur de brit mila. Et aussi pour la velo tovlin velo mazin. Alors, tovlin, on le met de côté un petit peu de minute. Tovlin, ça veut dire se tremper au mikvé. On va expliquer de quoi on parle exactement. Mais mazin, c'est plus facile. Mazin, c'est asperger l'eau de la vache rousse. Alors, la Torah nous a dit, bayom hashlishi ou bayom hashvii. Il faut le troisième jour, le septième jour. La Torah a insisté sur le jour. Donc, le jour, tu ne fais pas la nuit. Tu ne fais pas la nuit. Et tu ne fais même pas non plus depuis Alot HaShachar. Tu attends que le soleil se lève. Tovlin, la tvila. Hein. Alors, c'est pas exact parce que la tvila, on peut se tremper la nuit. Mais en réalité, pour toutes sortes de pureté ou impureté, la Torah nous a imposé d'attendre, par exemple, le septième jour. Ça peut être des lois pour la Zavalot, le Tiferet Israël, il en rapporte plusieurs. En l'occurrence, on a la Med, il est où? Je ne le trouve pas, désolé. Le voilà. Et, non, c'était celui-là, Khaftet. Kolat Min Tzrichin, il rapporte Tmemet, Metzora, Zav, Zava. Ou bien même aussi la tvila des Gerim va Abadim. Un Tmemet, c'est celui qui a été impur, et qui s'est fait impurifier par un mort, une fois qu'il a fait l'aspersion de l'eau de la vache rousse, et bien il doit ensuite se tremper au migvé. Le Metzora aussi, quand il finit sa pureté, il fait tout le rituel du Metzora. Ou encore Zav et Zava aussi, ils doivent se tremper. Il y a plusieurs à la dans Zav et Zava, peut-être qu'on les évoque très rapidement. Il y a Zavagdola et Zavaktana. Zavagdola, c'est celle qui a vu, ou l'homme aussi qui a vu, trois jours de suite, c'est parfois même trois dans la même journée, enfin. On va se contenter de dire trois jours de suite. Alors maintenant, il a une grande zava. Il a l'obligation de vérifier maintenant sept jours de pureté, où il ne va plus voir si c'est un homme, c'est un épanchement spécial de ziva, ou si c'est une femme, ça ressemble à du sang, mais dans une période où elle n'était pas censée avoir ses règles, alors ça devient la zava. Elle doit passer, si elle a vu du sang trois jours de suite, eh bien, elle doit attendre, compter sept jours, et après, au septième jour, elle peut se tromper déjà dans la journée. Alors la Mishnah me dit, elle n'est pas obligée d'attendre la fin, pas comme ce qu'on fait nous à notre époque, que les femmes, on est marmire à la fois Nida et Zava, et
et elle attend complètement la fin, elle se trompe la nuit qui suit, en réalité elle peut songer depuis la journée qui suit, selon la Torah. Après, on ne rentre pas dans les détails de halakha, pourquoi est-ce qu'on a des minagim de faire plus marmire pour éviter d'autres situations délicates. Même si elle se trompe au mikvé, elle n'a pas le droit d'aller avec son mari, en fait, c'est le problème. Du coup, Khamim, on instaurait qu'on ne se trompe pas du tout. Mais en tout cas, il y a concrètement, elles ont le devoir de se tromper depuis le 7e jour, si elles veulent, et il faut attendre le jour. Donc de nouveau, tu te trempes, pas la nuit du 7e, mais tu attends le matin du 7e, et plus que ça, tu attends le Nes Hachama, le lever du soleil. Vechen Shomeret Yom Keneged Yom, et idem aussi pour Shomeret Yom Keneged Yom, c'est ce que je vous dis sur la Zavaktana. C'est celle qui a juste vu un écoulement, très rapidement, c'est la femme, elle a des cycles. Elle a un cycle de Nida, et des jours où, c'est sûr, il y a 11 jours où elle n'est pas censée voir du sang. Et si elle voit du sang dans cette période-là, elle devient Zava. Et alors, aujourd'hui, on n'applique plus toutes ces lois, parce que dès qu'une femme elle voit une goutte de sang, elle doit patienter 4 jours, puis après compter 7 jours de pureté. Ou 4, ou 7, ou 5, 4, 5, plus 7. D'accord? Avec 7 jours de Shiva Nekim. Quelle que soit la goutte de sang, justement, à cause des lois de Zava, qu'on n'est plus baki dans Serachot, donc, dès qu'une femme, elle voit du sang, elle est patiente. Mais à l'époque, en tout cas, on savait discerner. Si c'était la période où elle était censée avoir ses règles, elle voit du sang, elle patiente, et elle compte 7 jours, et elle se trempe après. Mais si elle était ensuite dans la période où elle n'était pas censée voir du sang, alors là, elle devient Zava. Alors, si elle devient Zava, si elle a vu une seule, elle patiente un jour, elle se trempe. Si elle a vu deux aussi, si elle a vu trois, elle devient Zava Gdol, elle doit patienter les 7 jours comme ce qu'on fait tout le temps à notre époque. D'accord? Donc ça s'appelle Shomeret Yom Keneged Yom, elle garde un jour contre un jour, c'est-à-dire puisqu'elle a vu une seule fois, alors elle patiente un jour, elle vérifie qu'elle n'a pas vu le jour du suivant, et puis elle se trompe deux jours, elle doit attendre le Netzachama. Lotit Bol Hachet Netzachama jusqu'au lever du soleil. Mais malgré tout, la Mishnah me dit, sache que tout ce que je t'ai demandé, je t'ai mis une barrière. Mais en réalité, du Kulan Chassou Mishalam ou Dashachar Kacher, sache que tous, si ils se sont trempés finalement depuis le lever du jour et pas du soleil, donc on a dit 72 minutes avant le lever du soleil, et bien malgré tout, il s'est acquitté, c'est cachère, ça marche, ce qu'il a fait, parce que, a posteriori, c'est bon. On a voulu éviter que tu rentres dans un problème, parce que tu vas commencer à jouer sur les limites, tu vas finir par te tromper, par le faire la nuit. Et on ne veut pas que tu le fasses la nuit. Mais si concrètement tu l'as fait, tu sais que tu étais 50 minutes avant le lever du soleil, ça marche, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.